Bonsoir tout le monde, si c'est la première fois avec nous sur Channel ça, n'a pas appelé au grand bouton rouge en bas, cliquez sur lui pour capable connecté avec nous. Le département Homeland Security, eh bien, décidé justement, eh bien, commencer plan que le gagnant pour faire ça, les face scanning, ça veut dire scanneriser visage ou yeux pour capable reconnaître tout. En fait, en pile parlementaire, député, sénateur, organisation société civile lancé yon appel par département Homeland Security pour dire font ti camper sous ça nous relé facial recognition, ça veut dire identification de monde par a capable scanner, on scanner capable passer sous visage ou pour ouais sous même. Donc yo mande s'il vous plaît font ti camper sous programme ça, un programme qui pour aller dans différentes porte dans le pays par bon ici lorsque vous allez voyager. Et programme ça déclenché une bataille parce que pour le monde de droite et de gauche, on dit que républicains et démocrates ont petit genre un cas sur bagage ça parce que yo bon bagage et sécurité pour identité yo, OK, yo pense qu'on menace parce que yo pas compte tout détail de plan. Et qui j'ai donné ça, on va le conserver. Donc, bon, cas en protection de vie privée ou de identité, qui beaucoup fait une clé. Donc, c'est une bataille que différents acteurs, ça va livrer avec le département Homeland Security. Vous va comprendre que, technique pour identifier les gens par visage, aux yeux, je pense que technique, ça beaucoup prêt. Il est beaucoup prêt. Il faut avoir plus détaillé, il est beaucoup prêt pour commencer à appliquer le côté d'un pays. Dans le pays. Il dit premièrement, développement, non, c'est que tu peux qu'on baille règlement, pas bien que son procédure moderne, il est. Il peut qu'on baille règlement spécifique qui est capable d'empêcher moun à faire abus, utiliser ça pour faire l'autre abus. Et il peut qu'on vraiment définir politique pour implémenter qui gère ou pour collecter données, ça. Et département de la sécurité lui-même, sans réfléchir, piquer, il a une opération. Piquer devant avec programme ni donc pour les scanner visage voyageur yo, et yo dit que le prendre bagage ça pendant que pas gagne ken safeguard, pas gagne ken sécurité, ça ou t'abrelé yon invasion de la vie privée moun yo, pas gagne ken safeguard pour si ta gon data breach. Yo même parlé de notre technique ça racial bias, ça veut dire yon biais racial dans le sens que gen des séries de moun qui est capable de détecter l'identité beaucoup plus que l'autre. Je dis que le département de la sécurité a supposé, pressé, pressé, changer fusil d'épaule, camper avec implémentation, exécution, programme, ça qui c'est reconnaissance de visage, reconnaissance faciale à voyageurs dans différents points d'aéroport. Donc, il faut qu'ils établissent des standards. Donc, ils n'ont pas supposé qu'on n'a pas appliqué ça. En fait, démocrate comme Markey, nous avons un sénateur Markey, républicain en Utah, lui-même tout, même avec l'autre, en fait, ils sont républicains, lui-même tout, même avec l'autre 2004, il soulevait inquiétude qu'il gagne sous dossier ça, ok? Il était même écrit, vous voyez l'aide par le département de la sécurité pour dire camper sous programme là, parce qu'il faut mettre des spécifiques safeguards avant qu'ils l'ont implanté. Mais yo ignorer toutes les lettres que yo voyez ba yo, OK? Maintenant le programme là commence à fait dans différentes airports et déjà yo même dit gen ça relé des moun qui yo traqué, ça relé des moun qui vini sous visa qui overstay, yo identifié près de 7000 dans US airport yo que yo joignent dans programme ça, nous bien du programme cap scanner visage moun pour identifier yo. Et c'est un programme qui était dans le budget à commettre 1 million, mais vous ne pouvez pas commander, vous ne pouvez pas penser que vous n'avez pas le gain de temps et implémenter le comme ça. Donald Trump, bien entendu, tu es balboosté pour dire que vous exécutez le programme. Vous pensez que vous n'avez pas avancé trop rapide avec le programme ça. Et vous dites que d'après le dernier rapport, vous pensez que DHS vraiment pousse le programme non rapide, vous laissez ça fast tracking. Ça veut dire qu'il a implémenté le programme sans qu'il n'ait pas fait les balises, les mises en place, les safeguards, les politiques, procédures, règlements, bagages, il a exécuté. Et en pile, il y a dans le domaine de la
et protection de sécurité de la vie privée, yo fait comprendre que le département de sécurité ignorait toute consigne, toute inquiétude. Différents acteurs a pointé du doigt sous technologie reconnaissance ça. Yo bien dit yo nan bagay yo souligné technologie ça gen groupe de monde que l'identifier avec plus haut degré de pourcentage qui sont biais quelque part. Et DHS même il a besoin qu'on ait il besoin scanner face nous dans moment on a parlé là lorsqu'on va voyager, OK? Maintenant, je dis que yo t'a supposé ba possibilité pour un moun qui gen droit dit que le pas dans programme ça pour skip li pour prendre l'autre procédure de d'identification, yo pas ba alternative ça. Yo dit en fait différentes moun k'ap groupe militaire dans cause respect de la vie privée, yo dit toujours, yo pas jamais bouqué a fait des appels à CBP, ça dans le Custom Border Protection non pour yo mettre pour implémenter règlement procédure pour que yo capable assurer sécurité limite qui j'en yo pral collecter là fin prendre photo ça yo qui côté yo kembe yo pour combien de temps yo kembe yo c'est toute information ça yo qui est qui important pour ensemble de monde et bien que yo dit CBP dit bon yo démenti organisation yo fait comprendre que yo même passenger gen droit décider dit yo pas participer dans programme ça. OK, mais par contre, il dit que gen des compagnies privées qui fait le pas empêcher compagnies privées de faire le comme ça tout. OK? Donc voilà, mais Jean causé ça nous relait bien et scanning de facial, une nouvelle technologie que bien département Homeland Security entré et qui en pile et républicain et démocrate dit que programme ça sont menaces liées pour le respect de la vie privée n'est pas bien qu'un règlement qu'un safeguard unique juste implémenté li et on dit tout quelque part monde qui sous visa et tout et bien nous voyons que programme ça li cache en pile là-dedans ça n'est les visa overstay monde qui vient prêter donc nous dit en pile monde yo prend avec technologie ça entre parenthèses on dit que Donald Trump dit lui-même il passe l'autre déjà pour attaquer, causer les gens qui sous visa, qui overstay. Différentes alternatives, sanctions que vous pouvez décider de prendre. Donc, nous mettons à peu près en moyenne 6 mois et nous pouvons attendre différentes stratégies que vous pouvez faire pour les gens qui viennent sous visa, qui décident de rester. Il y a un pile de bagages que vous pouvez envisager. Donc, nous devons avoir un update pour vous sur la nouvelle technologie. Ça, qui est un pile de portes, commence à expérimenter l'identification faciale. Et une nouvelle technologie pour capable identifier différents mondes cap sorti et voyager qui des pays mais voyager de un state à un autre state tout et que bataille a fait pour capable assurer le respect et la vie privée des données ça parce que dit mon c'est pas une chose yo pas quelque chose ici comme ça notamment des respect de identité identité privée yo. Donc ceci dit me demande de nous reconnecter puisque nous même tout ça qui sorti qui important nous partager avec communauté. Portez-nous bien.